Salut, vidéo de randonnée pour le forum BRS à la cool et YouTube. Alors je sais, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo ou rien. C'est parce que le temps s'y prêtait pas. Mais je vais me rattraper. Donc déjà, cette vidéo, je vous présentais ma deux nouveautés. Alors première, c'est ce nouveau pantalon que j'ai acheté spécialement pour faire de la rando. Enfin, pour faire des activités dans la verte. Alors ce genre de pantalon, c'est pas fait pour spécifiquement pour ce genre d'activité. Hein. C'est fait pour bosser à la base. Dans le BTP. Hein. Je l'ai pris parce qu'il est solide. Il y a des poches. Ah, c'est un très bon pantalon, regardez un petit peu. Les poches renforcées. Triple couture. Et puis voilà quoi, il y a. C'est nickel, hein. C'est vraiment du très bon pantalon. Si je trouve, retrouve la marque et le modèle, je mettrai dans la description. Et mon sac à dos. Donc le Fort Class 40. Ouais, le 40 Black. Donc c'est un super sac à dos chez Decathlon. J'ai payé en solde, je crois, environ 30 euros. Hein. Super ce sac, 40 litres. Puis là, j'ai tout, hein, tout ce qu'il me faut là-dedans. J'ai la large, la scie, la grande, et je sens à peine le poids. Hein. Sur le dos, je sens à peine le poids. Elle est bien ajustée, bien pour moi. Donc, franchement dit, c'est nickel. Dedans, j'ai une ration de combat, parce que j'en avais pris à l'époque, j'en avais acheté deux. Donc une que j'ai pris pour deux précédentes rando. Et donc celle-là que je commence aujourd'hui. Alors il va y avoir le test de la scie, le test de la hache sûrement. Peut-être je ferai mon feu avec une boîte à feu. Et puis voilà, ça va faire une super journée. On va se faire plaisir avec ça. Allez, à tout à l'heure. Donc, alors, me revoilà. D'ailleurs, il est 10h. Mon estomac a commencé à réclamer. Alors, moi, je me suis dit, je fais une petite pause et puis je m'envoie les muesli de la ration de combat avec un petit café que je sors pas de la ration de combat que j'ai acheté en grande surface. Donc, ça c'est du 3 en 1, café, lait, sucre. Donc voilà. Voilà, il fait un peu de trucs. Ah, ça c'est vraiment une insulte, hein, ce réchaud. Hein. Ce que je vous explique. C'est une tablette de ces réchauds à mi-chauffe, hein, le support. Par contre, les tablettes c'est des SBI. Wow. J'ai vu ça, je suis tombé sur le cul. C'est peut-être pas grand chose, mais. Enfin voilà quoi. Manger mes trucs. Parce que bon, on va commencer à réclamer. C'est vrai que c'est très vite chaud. Hein. Ouais, super la pastille de combustible. Et nous voilà repartis. J'ai bien mangé. Le muesli était excellent. J'ai envie de m'engager dans l'armée juste pour les rations. Là, je crois que je gagnerais plutôt à les acheter. Enfin, qui sait. On va voir. Non, je déconne. Bref. Non, le muesli, excellent. Franchement, délicieux. Café aussi, il était très bon. Et puis voilà quoi.
Maintenant, c'est la marche. Allez, à tout à l'heure. Peut-être au refuge, hein, si j'y arrive avant midi. Et voilà, j'arrive au Stoffen, au refuge. Il est 11h. Ah bah, je m'inquiète un peu pour rien, moi. Vous savez que de là où j'étais, avant que j'ai pris ma pause, c'est vrai que on est beaucoup plus proche que je pense, enfin que je le pensais. J'étais beaucoup plus proche que je pensais, donc nickel. Et ben voilà. Donc me voilà sur place, au refuge. J'ai testé la hache, hein, elle marche bien. Hein. J'ai oublié de filmer, bon, c'est un temps de manière, hein, la hache ça fond du bois, hein, tout le monde a déjà vu ça. Donc la boîte à feu, hein, pour allumer le feu. Voilà, donc c'est juste un petit feu que je fais pour la tradition. Il n'y a pas vraiment besoin, il fait pas chaud, mais il fait pas hyper froid non plus. Donc c'est juste pour la tradition, un petit feu dans le poêle. Voilà. Donc avec la boîte à feu, hein, vous voyez, même du bois un peu épais, hein, elle allume. Hein. Bah, c'est fait pour. Hein. Fait pour faire du feu dans les conditions difficiles, hein, si vous avez pas de. Si vous avez juste de la bûchette comme ça. Vous pouvez faire des hérissons, mais boîte à feu, c'est sûr, ça vous aide bien. Hein. Donc voilà. Salut, alors je suis de retour pour mon petit instant de renaissance, comme d'habitude, la soupe, la bonne soupe quand un marché fait froid et c'est vrai qu'il fait pas chaud dehors. Là, la renaissance, enfin. Pourtant, c'est du parquet, hein, instantané. Hein. Mais trop bon, trop bon. Wow, un peu chaud par contre. Il faut que j'attende une minute. Bon, ben, tout à l'heure là pour le plat principal. Donc avant de prendre le café, faire le test de la scie. De ma scie la Bushcraft. Scie Egon, donc un morceau de bois comme ça. Et puis bon, c'est du bois bien dur. Hein. C'est du bois bien dur. Bon, voilà. Voilà. Je me positionne plutôt là sur le petit banc. Bien dur. Ah.
que c'est, mais c'est pas du sapin. Ah ouais, c'est du bois bien dur, hein, mais j'ai quand même une coupe propre. Hein. Bon, pas droit, hein, parce que petit test vite fait. Hein. Dorsion impeccable. Bon, bah, je crois qu'il n'y a rien à dire sur cette scie. Bon, de toute manière, j'avais déjà testé avant, je l'ai déjà utilisé. C'était juste comme ça pour la forme que j'ai fait ce petit truc. Allez, à tout à l'heure. Bon, bah, il est temps de rentrer. J'ai bien mangé, je me suis promené et tout. Bon, on va faire quelques prises sur le chemin peut-être et puis tranquillement, je rentre chez moi. Allez.